Plusieurs faits divers à Agen nous ont été pour nous comme une gifle, notamment des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas été annoncées comme décédées pendant plus de 2 ans. Quand on a reçu ces gifles, on s'est dit mais on ne peut pas rester comme ça. Visiblement, il y a des gens qui sont en situation de mort sociale, d'isolement complet. Et on a décidé de cibler en particulier les plus de 80 ans. Ces plus de 80 ans, il y en a 1600 à Agen. Et donc on a mis en place tout un dispositif de lutte contre l'isolement. D'abord aller les voir, aller chez eux. Ensuite, pour les cas les plus compliqués, une équipe de spécialistes avec des gériatres, des assistantes sociales. Et enfin, revitaliser le voisinage d'hyper-proximité. Voilà, on s'est mis en branle. C'est un peu un combat pour la fraternité,